c'est Sophia Pierluce et moi j'ai un business qui est les faveurs et compagnie qui est dans la communauté depuis près de 5 ans qui a la communauté à services que besoin et multiservices connecté avec avocat etc. Mon organisation qui est en route qui a structuré pour le moment mais nous sommes un leader de la communauté haïtienne dans Columbus Ohio même pas maintenant leader moi mais on sert qui a servi communauté à pour nous capables de connecter avec les ressources que nous avons besoin dans la zone. Donc, on peut mieux ensemble avec eux. En général, la situation pour le moment, tout le monde est sous tension. Parce que si on ne connaît pas ce qui va passer, ce qui ne va pas passer, en pile haïtien, surtout dans Springfield, parce que quand on est dans Columbus, c'est plus ou moins paisible. Mais Springfield, en pile haïtien, il vraiment pas un côté au campé. Parce que il apprend des attaques la caillou dans l'école dans le travail et dans la rue côté oui sous tension qui est très élevée dans cadre ça moi-même moi décidé de faire une sensibilisation pour capable faire connait côté oui comment puis capable prendre précaution yo pour la marcher dans la rue dans le travail puis pas tomber dans sa peur de tomber. Nous rencontrons avec les haïtiens tout partout, quand nous passons dans la maquette, nous jouons ensemble avec eux, nous sensibilisons. Nous venons jouer ensemble avec moi dans l'espace PAM, nous sensibilisons. Nous allons dans l'église, tout, côté nous marcher, nous parler avec les pasteurs, nous disons l'importance de sensibiliser le peuple, faire connaître l'importance dans l'état à vivre. Et puis, nous chita, nous éduquons avec de circulation, parce que nous avons plein qui fait de haïtiens à faire des accidents. Nous sensibiliser tout, nous parler avec eux comment que capable gérer santé yo parce qu'en pile aller venir par contre écouter puis au fait puis aller au docteur puis connait que puis prendre soin tête yo nous parler avec eux tout à cause de puis pas jeter fratra dans la rue parce que dans Amérique on pas d'accord mettre fratra dans la rue et en pile aller plaindre que de la bouteille n'importe côté yo nous parler avec eux tout puis pas parler trop fort. Parce qu'en pile fois, ils plaignent, ils allaient dans moteur véhicule, puis ils allaient des licenciés, puis ils passaient des plaques machines, ils parlaient très fort, et puis si on est en maquette, on est dans la rue, puis ils ne parlent pas fort. Et puis, l'autre bail qui est important, tout, c'est que, ils ont une tendance, puis ils chita, et dans la rue, ils boivent bien, vous comprenez, ils courent machine avec boisson dans la machine, qui est illégal dans le pays, hein. So, nous sensibiliser dans tout sens, dans tout domaine. Premier attitude de gain, c'est unité. Parce que un royaume qui est divisé par la campée, c'est un problème que nous gagnons tout le temps, comme les Haïtiens, côté que, tant pour nous épauler l'un, pour qu'il l'autre là, nous avons tendance de craser parce que c'est pour régner ou même pour même qui pour en bas. Dans le moment où nous vivons actuellement, dans Springfield, qui sont un problème, plus c'est pas dégénéré dans l'autre état, tout c'est une pas grand à camper, c'est que nous, pas, nous pas remènes nous. Nous besoin de deux dans la zone là. C'est aussi que, on sait de leader tant comme ou même qui sont côté sorti vinn faire un travail colossal nous pas gon tête ensemble unité travail ça pour moi même son travail laver mes sur à terre parce qu'il y a jeune quand même qui doit même utiliser même nous même dans payer un cob pour nous vendre avec l'autre parce que nous pas gain l'amour avec une des pour avec l'autre faut nous veiller en pile pour ça pas arriver. Alors, nous avons une connexion avec plusieurs leaders, Boïsia. Qui prochaine étape nous avons entreprendre? Est-ce qu'il y a des réunions qui ont fait pour nous aborder le problème? Est-ce qu'il y a des campagnes qui sont en cours pour mettre tous les leaders haïtiens ensemble? Pour le moment, dans Columbus, nous avons commencé à parler avec deux ou quatre églises, leaders de l'église, pour nous dire comme ça que nous sommes supposés capables de commencer à faire sensibilisation dans l'église, peut-être une fois par mois, bien deux fois par mois, ça dépend de nous-mêmes. Faire connaître comment nous vivre l'un avec l'autre, puis respecter l'un avec l'autre, comment nous respecter la loi. Et puis tout, nous connecter tout avec l'autre leader dans l'autre zone, dans Springfield, dans Lima, et dans Finley, Ohio, côté grand majorité, en pile haïtien là, pour nous capables de faire un faisceau, un seul là, pour nous capables de couvrir haïtien, conduire haïtien, encadrer haïtien, et puis mettre sensibilisation pour connaître, ça peut faire, ça peut pas faire, pour nous capables toujours gagner l'identité intacte.